La famille, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Et la team Rof, toute la team Rof qui est sur cette terre, que ce soit sur WhatsApp, sur Instagram, Twitter, Facebook, j'ai vu vos messages, merci beaucoup. J'ai pas pu faire la chronique tout de suite pendant tout ce temps-là parce qu'effectivement, c'était la priorité pour mes enfants. J'étais en week-end avec mes enfants, la famille. Comme vous savez, papa, tonton Marcel a 3 enfants, une belle fille métisse et 2 grands-enfants que j'accompagne au foot, voilà, on s'est amusé, voilà. Donc, je pouvais pas chroniquer le son de Rof. Donc, je vous remercie énormément, la team Rof, du fond du cœur. Je vous remercie. Donc là, on est devant la caméra et je veux chroniquer le son. Le son. Voilà comment on désire voir Rof. Vous vous rappelez du premier son que Rof nous a sorti? Il y a beaucoup de détracteurs qui ont critiqué ce premier son-là. Oui, mais c'est pas dans ce registre qu'on veut voir Rof. C'est voilà, Rof, il doit pas nous faire des sons chicha, ainsi de suite. Il vous a laissé parler. Parce qu'il savait que le deuxième son qu'il allait envoyer, il allait être lourd, sale, propre. Vous avez compris? Il savait que le deuxième son qu'il allait vous envoyer, il allait être lourd, sale, propre. Et ça, c'est que un petit aperçu des sons qu'il y a dans ce double album prévu dans 4 jours. Le 14-12-2018. Et je vais vous dire une vérité, une exclusivité pour vous que vous ne savez pas. Vous savez que les gilets jaunes ce samedi-là, quand ils sont partis, quand ils sont arrivés devant la police, ils ont commencé à crier « J'arrache tout, gros! J'arrache tout, gros !» Donc là, ils ont pété un câble parce que vendredi, ils ont écouté le son de Rof, R-O-H-2-F. Ça leur est rentré dans le crâne. Donc, ils étaient opérationnels pour aller manifester les gilets jaunes. Vous comprenez ça? Et nous, c'est comme ça on veut voir Rof. Des sons lourds, sales, propres, qui nous rentrent dans le crâne. Qui ne nous donnent pas envie de faire des conneries. Parce que ils ne poussent pas à faire des conneries. Ils poussent à la réflexion. Donc, moi, ce son-là, franchement, il est pas mal, il est bon. C'est comme ça, c'est dans ce registre-là qu'on veut voir Rof. Le padre du rap game. Franchement, et en plus, dans ce son, ce qui me touche énormément, c'est de voir comment il met en valeur le drapeau des Comores. Ça prouve que Rof, il est fier d'être comorien. Et ça, c'est important. Quand vous venez d'un continent, soyez fiers de ce continent. Soyez fiers de ce pays. Le continent est africain et le pays, il est comorien. Moi, je suis fier d'être ivoirien et fier d'être africain. Et en même temps, fier d'être français aussi parce que j'ai la nationalité française. Donc, 225 et 33. Donc, R-O-H-2-F, je tenais à te remercier pour ce gros son lourd, sale propre, comme dirait tonton Marcel. Et j'espère que ce son ne sera pas le début et ni la fin des sons lourds, sales propres qui arrivent derrière. Parce que je pense que le hip-hop français... Et en plus, c'est vrai, au mois de décembre, quasiment, il n'y a que Rof qui va sortir. Tout seul. Une semaine disque d'or. Une semaine disque d'or. Quel cadeau de Noël. Si mon fils Kijel, il avait déjà 15 ans, je pense que pour son cadeau de Noël, ça aurait été l'album de R.O.H.2F. Donc sur ce, tonton Marcel vous embrasse. R.O.H.2F, on est ensemble. 225, Côte d'Ivoire, Comores. Et grosse force à mon frère Sultan. Voilà. On est ensemble. Voilà.
continuez à aller sur la chaîne YouTube Tonton Marcel. Continuez à aller sur le Instagram Tonton Marcel 91. Allez-y, mon Instagram, il booste énormément. Si tu veux que je te partage, contacte-moi en privé sur mon Instagram en privé, je te partage. Et surtout, nous sommes plus de 3000 personnes par jour sur le site de rap tontonmarcel.com. Voilà. Ok. Tontonmarcel.com. C'est pour travailler avec les maisons de disques. Voilà. Et Tonton Marcel, le YouTube, c'est pour faire mes délires. À bientôt la famille. Ciao. Bah.